Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette émission de télévision « Les actualités prophétiques ». Bien, comme vous le savez, nous sommes dans une série vraiment très spéciale qui s'appelle « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Nous sommes en train vraiment d'étudier le livre de Daniel qui nous fournit beaucoup de renseignements comment ce gouvernement qui contrôlera la planète durant les 3 dernières années et demie avant le retour du Seigneur Jésus-Christ sera formé. Et nous avons appris également qu'après cette période de 7 années de tribulation, il y aura une prolongation de 75 jours où différents événements prophétiques s'accompliront. Et il y a quelque temps, nous avons filmé une vidéo en Israël pour expliquer davantage ces différentes prophéties qui s'accompliront durant ces 75 jours. Et si vous le voulez bien, on se déplace en Israël pour voir cette vidéo. Alors maintenant que le Seigneur est revenu sur cette terre, les choses vont commencer vraiment à changer. D'abord, il y a eu ce festin où le Seigneur a invité tous ses oiseaux pour venir se rassasier de la chair de tous ces rebelles qui étaient montés contre la ville de Jérusalem. Puis, on a appris également que Satan lui-même a été jeté dans l'abîme, enchaîné pour la période de 1000 ans qui va débuter incessamment maintenant. Le faux prophète et l'antéchrist eux-mêmes sont dans le lac de feu pour l'éternité. Ils n'en sortiront jamais. Et là, nous apprenons que Daniel a prophétisé une prolongation de 75 jours. Alors, nous savons par les Écritures que les tribulations qui vont toucher le monde entier dureront exactement 7 années. Nous savons par plusieurs versets de la parole de Dieu. Tout d'abord, évidemment, dans Daniel chapitre 9, le verset 27, alors que nous lisons que l'Antéchrist va confirmer cette alliance pour une période précise de 7 ans. C'est très précis parce que dans le livre de l'Apocalypse, plus tard, c'est mentionné en mois et c'est mentionné en jours. Alors, on ne peut pas se tromper. C'est vraiment une période fixe de 7 années. Pour ces tribulations qui vont toucher le monde entier. Comme on a déjà dit aussi, il y a toujours eu des tribulations dans le monde, mais il n'y a jamais eu une tribulation qui affecte tout le monde en même temps. Toute la planète en même temps sera affectée par ces 7 années de tribulation. Et c'est confirmé aussi dans le livre de l'Apocalypse, ça parle de l'épreuve qui va toucher le monde entier. Alors, ce n'est pas simplement au Moyen-Orient. Bien sûr, ça va être plus sévère ici, au Moyen-Orient, parce que le gouvernement de l'Antéchrist sera établi ici, mais ça aura des répercussions partout sur la planète, en fin de compte. Et voilà que le Seigneur est revenu, donc les 7 années de tribulation sont terminées. Mais Daniel a prophétisé qu'il y aurait une prolongation à ces 7 années-là pour une durée de 75 jours. Et nous lisons ça dans Daniel chapitre 12, et au verset 11, ça dit « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Alors, il y a deux choses ici dans ce passage-là. Une première période mentionnée par Daniel de 30 jours. Il dit qu'il y aura 30 jours parce qu'il parle d'un total de 1290 jours. Et on sait que la moitié de ces 7 années de tribulation, 3 ans et demi, représente 1260 jours. Alors, s'il parle de 1290 jours, c'est qu'on a 30 jours de plus de prolongation. Puis, une deuxième période que Daniel a mentionnée, de 45 jours cette fois-là, puisqu'il dit « Heureux et saint celui qui attendra jusqu'à 1335 jours ». Alors, si vous additionnez le 1260 jours, qui représente la deuxième partie des 7 années de tribulation, à 75 jours, vous arrivez à 1335 jours. Alors, ça veut donc dire qu'il y a une prolongation exactement de 75 jours après le retour du Seigneur sur cette terre. Maintenant, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a une prolongation de 75 jours en plus des 7 années de tribulation. Bien, la raison principale pour laquelle il y a une prolongation de 75 jours avant
l'établissement vraiment du royaume de Dieu sur cette terre, c'est qu'il y a beaucoup de choses à accomplir avant l'ouverture du millénium, vraiment, et la mise en action de ce gouvernement-là de Christ dans ce monde renouveau. Et la Bible, écoutez, ne nous donne pas l'ordre chronologique de tous les événements qui vont se produire durant ces 75 jours-là, mais on peut connaître plusieurs de ces événements qui vont se produire, dans quel ordre ils vont se produire exactement, ce n'est pas mentionné dans la parole de Dieu, mais du moins, nous savons que ces événements que je vais vous mentionner doivent se produire durant cette période-là de 75 jours. Premièrement, et tout d'abord, il faut qu'il y ait un nettoyage sommaire de la planète parce que tout aura été ébranlé. Vous savez, il y a un passage dans notre Bible, dans Hébreux chapitre 12 et le verset 26, où Dieu promet, il dit encore une fois, « J'ébranlerai non seulement la terre, mais le ciel. » Alors, il faut qu'il y ait un nettoyage sommaire de la planète parce que tout aura été ébranlé. La plupart des édifices seront tombés parce qu'il y aura eu ce grand tremblement de terre. Et je dis sommaire parce que tout au long de ces 75 jours, et même au début du règne de Milan, il va y avoir beaucoup de constructions. Et on aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission et des autres émissions. Et ça va devenir très intéressant parce que c'est tout un monde nouveau qui sera créé à ce moment-là. Alors, tout comme je viens de le dire, il y aura un nettoyage de la planète qui sera nécessaire, évidemment, après le retour du Seigneur, puisque tout sera ébranlé à ce moment-là. Et cette promesse dans Hébreux que nous avons lue, qui sera accomplie au moment où le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur cette terre, vraiment, toute la terre sera ébranlée. De plus, il y aura ce grand tremblement de terre tel que nous le lisons dans la parole du Seigneur, disant que la terre n'a jamais expérimenté un aussi grand tremblement. Alors, tout ce que l'homme a bâti vraiment sera démoli. Et c'est pourquoi il y a vraiment un programme de reconstruction qui sera nécessaire pour établir le royaume de Dieu sur cette terre et y participer. Les villes seront reconstruites, puisque nous lisons que durant le règne de Milan, certains enfants de Dieu régneront sur certaines villes, un certain nombre de villes, selon leur fidélité qu'ils auront eue à servir le Seigneur durant leur pèlerinage ici-bas. Nous lisons dans l'Évangile de Luc qu'à l'un, on va confier le gouvernement de 10 villes, à un autre, le gouvernement de 5 villes. Alors, il faut donc que des villes soient reconstruites durant le règne de Milan. Il y a des routes qui seront construites également. Nous lisons même au sujet d'une autoroute qui partira de l'Égypte, traversera tout le pays d'Israël pour se rendre finalement jusqu'en Assyrie. Alors, c'est tout un programme de construction qui sera mis en branle à ce moment-là. Un grand nettoyage de la planète, si vous voulez. Bien sûr, il y aura aussi la ville de Jérusalem qui sera reconstruite. Comme on a déjà mentionné, ce n'est pas encore la nouvelle Jérusalem qui, elle, ne descendra pas du ciel avant la fin du règne de Milan. Mais il faut bien que l'ancienne Jérusalem, qui a été grandement affectée par la bataille d'Armageddon, soit reconstruite. Et selon Jérémie, chapitre 31 et le verset 38, ça dit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie en l'honneur de l'Éternel. » Et dans Zacharie, chapitre 14 et le verset 10, ça dit qu'elle sera agrandie et sera élevée sur un haut plateau. Alors, c'est toute une nouvelle construction pour la ville de Jérusalem. Ça dit dans Ésaïe 66, c'est le verset 20, que les nations y apporteront leur gloire et leur offrande et qu'elle deviendra la capitale mondiale, telle que c'est écrit dans Ésaïe chapitre 2 et le verset 3. De plus, il y aura la construction surnaturelle du quatrième temple. Déjà, il y a eu deux temples ici sur l'esplanade du temple. Il y aura un temple qui sera construit pour la période des 7 années de tribulation que nous appelons habituellement le troisième temple, mais celui-ci sera détruit par l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y aura un quatrième temple qui sera construit et qui sera là pendant toute la durée du règne de Milan. Nous apprenons par les Écritures qu'il sera même construit de façon surnaturelle par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Imaginez-vous, ça c'est dans le livre d'Ézéchiel et Jérémie, chapitre 6 et le verset 12. Et dans Ézéchiel, on a consacré 4 longs chapitres
pour décrire ce quatrième temple qui sera immense, il sera très grand. D'ailleurs, le parvis extérieur aura environ 300 mètres de long et environ 60 mètres de large. Alors, c'est vraiment très grand. Et il sera construit, selon Ézéchiel, chapitre 40 et le verset 2, sur une très haute montagne. Et nous apprenons également que la gloire Shekinah, la gloire de Dieu, va revenir dans ce temple-là. La gloire, elle était là autrefois dans le temple. Puis, tout doucement, elle a quitté le temple à partir du 8e chapitre du livre de l'Apocalypse. Nous lisons comment le peuple d'Israël était tellement idolâtre que la gloire de l'Éternel a quitté la montagne sainte, a quitté le temple ici, a traversé par la porte dorée, elle est montée au sommet de la montagne des Oliviers, puis elle est retournée au ciel. Mais cette même gloire va revenir dans ces derniers jours et elle va revenir dans ce quatrième et dernier temple et à nouveau la gloire de Dieu sera manifestée sur cette terre. Alors c'est un monde nouveau qui débute à partir du retour du Seigneur Jésus-Christ, dès l'instant où ses pieds vont toucher le sommet de la montagne des Oliviers ici à Jérusalem, c'est vraiment le début d'un temps nouveau, un monde nouveau qui sera créé à ce moment-là, dans lequel vous et moi, nous pourrons vivre et régner avec lui pour l'éternité. Nous sommes en train de parler au sujet de la prolongation de 75 jours tel que le prophète Daniel l'a prophétisé autrefois. Et nous retrouvons cette prophétie, bien sûr, dans son livre, le livre de Daniel. Une première période d'abord de 30 jours, suivie d'une autre période de 45 jours, pour un grand total de 75 jours de prolongation après les 7 années de tribulation. Alors, vous avez ces 7 années de tribulation qui vont se terminer au moment même où le Seigneur Jésus-Christ va revenir avec tous ses rachetés sur le sommet de la montagne des Oliviers, ici à Jérusalem. Et Daniel a prophétisé qu'il y aurait une prolongation de 75 jours. Et on a commencé à expliquer les raisons pour lesquelles une telle prolongation sera nécessaire. Bien sûr, tout d'abord, il doit y avoir un nettoyage sommaire de la planète parce que tout a été ébranlé et ce grand tremblement de terre à la toute fin des 7 années de tribulation a jeté par terre tout ce que l'homme vraiment avait construit. Deuxièmement, il faut que la ville de Jérusalem soit rebâtie, restaurée parce qu'elle a été partiellement détruite au cours de ces 7 années de tribulation. Il y a également le quatrième temple qui sera construit de façon surnaturelle par le Seigneur Jésus-Christ. Et voici une autre raison pour laquelle cette prolongation est nécessaire. Le tribunal de Christ doit avoir lieu. Il y a une différence, bien sûr, entre le jugement du grand trône blanc et le jugement qu'on appelle le tribunal de Christ. Le jugement du grand trône blanc va se produire uniquement à la fin du règne de 1000 ans, alors que tous les autres morts, tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection, qui est la résurrection des justes, alors tous les injustes vont ressusciter en même temps à la fin du règne de 1000 ans et vont comparaître devant le grand trône blanc pour se diriger malheureusement vers l'étang ardent de feu pour l'éternité. Mais le tribunal de Christ, c'est réservé pour les croyants, non pas pour les juges, à savoir s'ils vont aller au ciel ou dans le séjour des morts, parce que nous serons déjà au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt pour nous récompenser, pour récompenser tous les enfants de Dieu, selon notre fidélité que nous aurons eue à le servir durant notre pèlerinage ici-bas. Et souvent la question est demandée, à quel moment le tribunal de Christ aura-t-il lieu? Aura-t-il lieu tout de suite après l'enlèvement, pendant les 7 années de tribulation ou à la fin des 7 années de tribulation? Bien, il semble que la réponse est bien claire dans la parole du Seigneur. Le tribunal de Christ ne peut avoir lieu tant et aussi longtemps que tous les rachetés de l'Éternel ne sont pas ressuscités. Et les derniers qui seront ressuscités, ce sont les âmes de ceux qui ont donné leur vie en martyr, qui ont été décapités au début de cette année de tribulation. Ce n'est qu'à la toute fin, au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, là où nous lisons que ces âmes vont revenir à la vie et régner avec Christ. D'ailleurs, il y a certains versets comme 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, qui dit « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. »
lorsqu'il reviendra. Également dans Matthieu chapitre 16 et le verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors, remarquez, et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. » Alors, il semble évident que le tribunal de Christ, pour plusieurs raisons, aura lieu ici, sur la terre, après le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, durant cette période de prolongation de 75 jours. Le jugement des nations également doit avoir lieu durant cette période et il aura lieu ici même. Vous avez la vallée du Cédron qui est juste derrière moi et c'est dans cette vallée qu'aura lieu le jugement des nations. On retrouve ça dans Matthieu chapitre 25, des versets 31 jusqu'au verset 46. Et ces nations-là, ben, ce sont toutes les nations qui auront survécu aux sept années de tribulation. Alors, ils seront rassemblés par les anges, comme nous le lisons dans l'Évangile de Matthieu, des quatre coins du monde. Ils seront rassemblés ici, dans la vallée du Cédron, qui sera appelée la vallée de Josaphat, plutôt. Et toutes ces nations qui auront survécu aux sept années de tribulation seront jugées. Ceux qui seront jugés indignes descendront rejoindre tous les autres morts qui sont dans le séjour des morts, et ceux qui seront jugés dignes de participer au règne de mille ans, bien pourront entrer à titre de nation dans le règne de mille ans avec les rachetés de l'Éternel. Parce qu'évidemment, quand le Seigneur Jésus-Christ va poser son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est juste devant moi, le prophète Zacharie dit qu'une grande vallée sera formée. Alors évidemment, la vallée que vous voyez derrière moi, la vallée du Cédron, ben, elle va s'élargir énormément. Ça va devenir une très grande vallée. Et les anges, selon l'Évangile de Matthieu, vont aller récupérer toutes ces nations partout sur la planète et vont les rassembler ici, dans cette grande vallée qui sera formée, afin d'être jugés. Certains seront jugés dignes de participer au règne de mille ans dans leur corps physique à titre de nation. Et c'est eux qui vont repeupler la terre durant cette longue période de mille ans. Les autres vont aller rejoindre les morts qui sont dans le séjour des morts en attendant leur retour à la vie pour comparaître devant le jugement du grand trône blanc et après cela être jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Voici un autre événement majeur qui doit se produire durant cette période de 75 jours, le couronnement du Seigneur Jésus-Christ à titre de roi. Et nous avons la cérémonie de ce couronnement-là mentionnée dans les Écritures, dans le livre de Daniel, dans le 7e chapitre, verset 13 et verset 14. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est le seul roi qui n'a pas été oint comme roi ici en Israël. Tous les autres rois ont été couronnés avec de grandes cérémonies de couronnement, mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lorsqu'il est venu et s'est présenté comme roi à Israël, ben, comme nous savons, il a été rejeté et n'a jamais été couronné roi. Mais un jour, il doit être couronné, parce que la parole de Dieu l'affirme dans ce passage-là de Daniel. Dieu l'affirme aussi dans le livre des Psaumes, dans le 2e chapitre et au verset 6. Dieu dit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Et on a parlé dans certaines émissions précédentes de cette découverte que les archéologues ont fait dans la région de Qumran. Alors qu'ils fouillaient la région, ils ont trouvé un flacon dans lequel il y avait cette huile, et on a analysé cette huile pour découvrir qu'elle contenait exactement les mêmes ingrédients pour la composition de l'huile sainte dont on se servait pour le couronnement des rois ici en Israël. Et ce flacon est jalousement gardé, et qui sait, peut-être qu'on se servira de cette huile-là pour l'onction du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils seront oints ici, exactement sur la montagne de Sion. Et comme on a parlé, la véritable montagne de Sion, elle est ici, dans cette vallée, à la source du Guion. Juste de l'autre côté de la source, c'est la colline de Sion, la montagne de Sion, sur laquelle David avait placé la tente, vous savez, lorsqu'il l'avait récupérée de Kiriath Yearim pour la ramener au tabernacle. Bien, plutôt que de la ramener à Silo, il l'a placée ici, à Sion, sur la montagne de Sion. Et
Il a placé tout simplement une tente au-dessus de cette arche et a demandé à la population de venir louer et adorer le Seigneur. C'est là où Salomon a été roi. Il a été couronné ici, à la source du Guion. Et c'était compliqué à l'époque parce qu'un autre fils de David, Adonijah, avait réuni Joab, le chef de l'armée à l'époque, et Abiathar, qui était le sacrificateur, et plusieurs autres personnes. Et ils se sont rendus à un endroit qui n'est pas tellement loin de la source du Guion, qui s'appelle la source ou le puits de En-Regel. Et il a voulu usurper la royauté, prendre la place de Salomon, qui était l'héritier légal de David. Et puis, mais le sacrificateur Tsadok, qui a toujours été fidèle à David, n'a pas accompagné ces gens-là pour venir couronner Adonijah, et ni le prophète Nathan, il ne s'est pas joint à ce groupe-là. Mais c'est ici que ça s'est passé, dans cette vallée, il y a plusieurs années, alors que cet autre fils de David a voulu usurper la royauté et prendre le contrôle du pays. Alors, nous sommes en train de parler au sujet du couronnement du Seigneur Jésus-Christ qui doit se produire justement au cours de cette période de prolongation de 75 jours après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et c'est dans 1er roi, le premier chapitre, où nous lisons cette histoire de cet autre fils de David, Adonijah, qui a voulu usurper la royauté de son père parce que celui-ci était avancé en âge, il était malade, et puis Adonijah a profité de la situation pour réunir le sacrificateur, le prophète et plusieurs personnes afin de voler ni plus ni moins la royauté à Salomon. Et quand Nathan, le prophète, a su ça, il a demandé à Bathsheba d'aller voir David, son mari, pour lui demander exactement qui devait être son successeur. Et David a confirmé que c'était bel et bien Salomon qui était son successeur. Alors, il envoya Tsadok, qui était le sacrificateur de l'époque, qui a toujours été fidèle à la maison de David de toute façon, accompagné de Nathan, le prophète, et de plusieurs personnes. Il les a envoyés à la source du Guion. Alors, vous vous souvenez, j'ai mentionné qu'Adonijah avait réuni, lui, un autre sacrificateur, prophète et puis plusieurs personnes à la source d'En-Regel, qui n'est pas tellement loin de la source de Guion. Mais David a envoyé le prophète, le sacrificateur et plusieurs personnes à la source du Guion afin que Salomon puisse être couronné roi et successeur légal à David. Et nous lisons dans 1er roi, le premier chapitre et le verset 39, qu'on a pris l'huile sainte, cette fameuse huile sainte. Comme j'ai mentionné, on a retrouvé ce flacon à Qumran il y a quelques années déjà qui contenait exactement la composition de l'huile sainte dont on se servait pour le couronnement des rois et pour le service au temple ici à Jérusalem. Et vous retrouvez ces ingrédients-là dans le livre d'Exode, dans le 30e chapitre. Et après analyse, on s'est rendu compte que tous les ingrédients étaient là. Et même, il y avait en surplus l'huile de balsamier qu'on ajoutait à l'époque à la composition qui est mentionnée dans Exode chapitre 30. Et c'est vraiment une découverte très importante concernant le futur couronnement du roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, à l'époque, on avait évidemment cette composition d'huile. Et puis, dans 1er roi, 1er chapitre, verset 39, ça nous dit qu'on a pris de l'huile dans la tente de David à Sion pour oindre Salomon comme roi et successeur légal de David. Alors, je me tiens vraiment dans un endroit très riche en histoire, très historique, parce que c'est ici, à cette source-là, que Salomon a été couronné roi. Et c'est sans doute ici que le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, sera couronné roi. Dans Daniel chapitre 7, nous avons la description de la cérémonie du couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je vous ai lu il y a quelques instants dans le psaume 2e, Dieu dit, « J'ai oint mon roi sur la montagne de Sion. » Et l'original, elle est ici. C'est là où se trouvait la montagne de Sion. C'est là où se trouvait la tente de David. Et comme je viens de lire dans 1er roi, 1er chapitre, verset 39, on a pris l'huile qui était ici, à la tente de David,
sur la montagne de Sion afin de couronner Salomon roi ici en Israël et successeur légal de son père, le roi David. Alors, c'est un lieu vraiment très historique parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui s'est déroulées dans le passé, évidemment, mais il y a beaucoup d'histoires aussi à venir. Parce que si on parle d'un couronnement du Seigneur Jésus-Christ, ben, il n'y a pas vraiment d'autre endroit meilleur ou plus propice où ça peut se produire qu'ici. Parce que Salomon a été oint ici et Dieu lui-même, je viens de vous lire dans le psaume 2e, déclare que c'est lui qui va oindre son roi et il va le oindre exactement sur la montagne de Sion. Et c'est vraiment un privilège d'être ici. Et non seulement de regarder en arrière et constater tant d'histoires qui est arrivée ici, mais aussi regarder vers un avenir proche quand même, parce que c'est certain que nous sommes très proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, d'abord pour son épouse, et ensuite, 7 ans plus tard, sur cette montagne des Oliviers qui est juste devant moi. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org. Et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi? » en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.